Bonsoir, Marseillais et Marseillaises, supporters de l'OM, supportrices. J'espère que tout le monde va bien, l'équipage. Bon, petite vidéo, la famille, un peu sur l'actualité de l'OM en ce moment. Voilà. Frérot, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Moi, ça me fait bander. Alors, je sais, il y a plein qui vont me dire, ouais, mais cadre, ouais, mais. Frérot, je sais qu'il y a des trucs qui font gamberger. Notamment. On va commencer par lui. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, avant que j'enchaîne, les gars, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir à papa, hein, tranquille. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire, je participe pour les trois maillots à gagner. Voilà, Carboni. Ouais, c'est vrai, ouais, 36 millions, plus 4 millions de bonus, avec une option d'achat prioritaire uniquement si on souhaite le vendre à 40 millions de l'Inter. Ben, j'ai envie de te dire, frérot, que mine de rien, ça ressemble à un prêt, voire sans option d'achat. Ouais, les gens me diront, ouais, mais Kat, s'il est bon, on fait comment? Ah, frérot, s'il est bon, ben, il nous aura soulagés pendant un an ou deux. C'est comme ça. Parce que normalement, les frangins, ce genre de transfert, nous ne pouvons pas nous le permettre habituellement. On n'est pas le PSG frangin, tu vois? Les 40 millions, tous les trucs qu'on fait. Certains y verront un coup de génie de Longoria. Certains y verront un manque de continuité. Moi, je vois les deux. Je vois les deux, frangin. Je vois les deux, s'il nous fait une grosse saison et qu'il arrive à mettre Harit, le tout pourri, en concurrence et que Harit se sorte un peu les doigts du boule et qu'il se dise, non, c'est pas lui qui va me prendre ma place. Vas-y, je vais tout donner. Tu vois? C'est important parce qu'on n'a pas de 10 frangins. Harit, il est là, il croit que c'est le roi du pétrole. C'est bien, ça lui donne de la concurrence. Et peut-être qu'on va retrouver un Harit des grands jours. Donc voilà. Après les frères Derek Cornelius, frérot, c'est bien. Ça envoie un message fort à des Mbemba et des Gigot. Mbemba, parce qu'il ne veut pas prolonger, je vous avais donné mon avis sur ça. Il m'a tendu, il m'a tendu, il a fait le même coup à Porto. Le mec honore ses contrats, c'est vrai, il donne tout, il n'y a pas de problème. Mais frérot, maintenant c'est où tu prolonges, où on te vend, tu vois? J'aime pas cette mentalité de mercenaire, tu vois? Donc ça va lui donner un peu de. Voilà. C'est un message fort à Mbemba et Gigot. Gigot, c'est plus de par son niveau, tu vois? Gigot, c'est plus de par son niveau. Sidila, le défenseur de Francfort, hein? Ouais, Francfort. Je sais pas si je me trompe, hein? Je les confonds souvent. 15 millions, c'est trop. Et le pire, les frangins, c'est qu'on n'est pas sorti de l'aubergine avec les Jeux Olympiques qu'il fait. Ça sent pas bon, frère. J'enregistre cette vidéo en plein match. France-Égypte, tu vois. Ouais, ça sent pas bon. S'il va en finale, frérot, forcément, sa valeur va augmenter. Et même, de toute façon, le club allemand a décidé de rompre les négociations en attendant la fin des JO. En vrai, 15 millions, c'est trop. Moi, je pense que 12 millions, c'est plus abordable. Entre 10 et 12, d'autant plus qu'il a un bon niveau et qu'il est hyper prometteur. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les frères. C'était une petite vidéo courte, Actu OM. N'hésitez pas à vous abonner, les frangins qui sont nouveaux. Lâche ton petit like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, frère, en direct des quartiers nord. Du ghetto de Marseille à papa.